Aujourd'hui, découverte d'une discipline peu connue, le Seloko. Un art martial ébrié fondé par Jean-Daniel Coutouan, dit maître apeter Côte d'Ivoire. Seloko, c'est en langue hébraïque, ce qui se traduit en français, l'art du poing de l'homme. Discipline née de plusieurs arts martiaux traditionnels, le Seloko compte environ 600 techniques de combat. Le Seloko est une discipline qui est dérivée de plusieurs disciplines. J'ai 32 ans d'expérience des arts martiaux. J'ai parcouru 5 grandes disciplines des arts martiaux, à savoir le Kung Fu traditionnel, le Wing Chun, le Jeet Kune Do, la boxe, le Krav Maga. Je m'inspire de ce que j'ai appris, mais je ne répète pas ce que j'ai appris. Le Seloko est dérivé de cette discipline-là, mais le Seloko ne répète pas les mêmes techniques de cette discipline-là. Que depuis que j'ai commencé le Seloko, je suis tranquille, je me développe très bien. Membre de la génération Nyando Dogba, maître apeter veut à travers son art martial promouvoir la culture africaine. Le Seloko a été créé dans le but de promouvoir la culture africaine par les arts martiaux. Tel est mon but et mon combat pour montrer au monde entier que nous, Africains, nous aussi, on peut créer en notre langue. On peut créer à partir de notre culture, notre tradition. Ça fait référence à l'Occident. Ça fait référence à d'autres personnes. Regardez, quand on parle du Kung Fu, quand on parle du Kung Fu, on passe au Chinois. Quand on parle du Taekwondo, on pense au Coréen. Quand on parle du Judo, on pense au Japonais. Mais nous, Africains, quand on parle, on veut parler des arts martiaux, on doit parler de quoi? Nous, peuple, attends. Quand tu veux parler des arts martiaux, on doit parler de quoi? Voici mon combat. Des arts martiaux asiatiques enseignés sont en japonais, chinois ou langue coréenne. Les techniques du Seloko sont enseignées en langue hébraïque. La technique de toi qui longe la gorge. Moi, je crois maintenant. Ouvre un peu. Mais maintenant que je lâche comme ça, un. Ah! Ouvre un peu. Voilà. Le combat est fini. Le Seloko permet d'apprendre à se défendre quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Cette particularité a poussé son fondateur à choisir comme symbole de son art le roi des oiseaux. Vous voyez la position de l'aigle? L'aigle a déployé ses ailes. Les griffes déployées, il descend sur sa proie. Telle est la discipline Seloko. Dans le Seloko, tomber sur l'adversaire, ça l'écrase. Même si l'adversaire tombe sur toi, il s'écrase. C'est pourquoi l'aigle a déployé ses ailes en position d'attaque et de combat. Le Seloko regroupe toutes les techniques de combat qui existent sur terre. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pris l'aigle. Parce que l'aigle symbolise l'image, la puissance de Dieu lui-même. Ouvert à tous, le Seloko est une activité dynamique et originale à pratiquer en solo ou accompagné. Hey, 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 hey.